Bonjour, nous avons aujourd'hui une émission très spéciale qui sera uniquement en français. For my English-speaking French, we have today a very special program that is only in French. It is a French version of the message my wife, Pam, taught recently. The title was How to Identify a Good Church or Ministry, and it is available on the media library of Ictusnet. Aujourd'hui, je vous propose donc la version française du message que mon épouse a donné récemment, qui était intitulé en anglais « How to Identify a Good Church or Ministry ». Et ce message est disponible dans la médiathèque d'Ictusnet. Donc, mon message d'aujourd'hui est « Comment choisir une bonne église ou un bon ministère ?» Il y a déjà quelque temps, on nous avait demandé de faire cette émission en raison de l'expérience que mon épouse avait dans ce domaine et en réponse à certains des commentaires et suggestions que nous avons reçus sur notre site web Ictusnet Live. Le but de cette émission est de rejoindre ceux qui sont actuellement ou qui ont été pris au piège parce qu'ils ont reçu et accepté des messages de prédicateurs partout dans le monde ou de pasteurs qui n'étaient pas vraiment conformes aux Écritures. Et cela a pu se passer à n'importe quel endroit dans le monde, ça a pu avoir lieu ici aux États-Unis ou dans votre propre pays. Donc aujourd'hui, je vais faire, pour commencer, un bon nombre de références à certains passages de la Bible au cours de cette émission. Ceci de façon à être sûr que je construis une fondation qui est solide et qui est conforme aux Écritures. Je vous encourage donc à prendre note des passages bibliques et de les revoir plus tard. Au besoin, vous pourrez les revoir dans plusieurs traductions. Dans les passages que je vais citer aujourd'hui, ils sont généralement, ils viennent tous de la Bible du Semeur. Donc, la première partie que je vais adresser, la première chose qui est importante d'adresser est la question suivante. Qui sommes-nous en Christ? Et nous allons voir dans la Bible que c'est effectivement décrit d'une façon assez spécifique. Le premier verset que je vais vous lire est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Donc, ce verset indique que nous avons donc une nouvelle nature quand nous sommes nés de nouveau ou, comme certains passages de l'Écriture disent, comme nous sommes nés d'en haut. Afin de recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous, ce qu'il veut nous donner, nous devons renouveler nos esprits à ce que la Bible dit concernant ce que nous avons en tant que chrétiens nés de nouveau. Et pour ceci, pour l'illustrer, je vais vous lire les versets 1 à 3 de Romains 12. Romains 12, verset 1 à 3. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite,
Voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre réglée par la foi. Donc ceci est une très bonne description de ce que le chrétien renouvelé doit être. En fait, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes, comme on pourrait dire, je crois que c'est une expression du Québec, mais qui est très appropriée ici, nous sommes devenus flambant neufs à l'intérieur. Ça veut dire nous sommes tout neufs à l'intérieur. Ça, c'est concernant notre esprit. Cependant, notre âme, ce que l'on appelle notre âme généralement, qui est l'intelligence, notre volonté, nos émotions, notre intellect, doivent être renouvelés conformément à ce que le Seigneur dit. Donc, notre esprit est renouvelé, mais il reste cependant notre âme, donc intellect, volonté, émotion, à renouveler. Si nous renouvelons notre intelligence, notre volonté, nos émotions et notre volonté, nous finirons finalement par penser comme Dieu pense. Et ceci fait de nous vraiment un être nouveau. Quand je dis que notre âme doit être renouvelée, comme l'est notre esprit, ça ne veut pas dire que notre âme est du diable. Cela veut dire que notre âme suit ce qui se passe dans le monde. Nous avons besoin de notre âme pour vivre dans le monde qui nous entoure, dans l'espace naturel, ce que je vois à travers la fenêtre, là. Le monde naturel, nous devons vivre dans ce monde naturel et c'est notre âme, en fait, notre intelligence, notre volonté, nos émotions qui sont avec nous dans ce monde naturel et qui font face à ce monde naturel. Mais nous devons les renouveler pour effectivement vivre mieux dans ce monde naturel. Aussi, si nous regardons notre éducation, ce que nous recevons tout au long de notre vie, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, etc., cette éducation, nous la recevons à travers notre pensée, à travers notre esprit et à travers notre intelligence, notre côté humain, et non notre côté spirituel. Mais de la même façon que nous éduquons notre être physique, notre cerveau, nos pensées, nous devons aussi acquérir des connaissances plus spirituelles et des révélations spécifiques, des révélations spirituelles, alors que nous apprenons davantage concernant la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Donc, vous voyez que nous suivons deux chemins. Généralement, notre esprit est renouvelé quand nous sommes nés de nouveau, mais nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances spirituelles et des révélations spirituelles si nous approchons et lisons la parole de Dieu. Et ceci, nous pouvons le faire de la même manière que nous recevons notre éducation à travers notre pensée et notre intelligence. Donc, notre nouvelle nature, qui consiste prend notre esprit humain, notre esprit intérieur, l'esprit intérieur étant l'esprit qui a été renouvelé,
notre nouvelle nature, tout au cours de notre vie et notre vie spirituelle, etc., et notre vie dans le monde, doit se trouver être renforcée. Et notre âme, au cours de cela, au cours de notre vie, donc notre pensée, notre volonté, notre intellect, décide comment nous allons vivre dans le monde qui nous entoure, suivant notre nouvelle nature ou non. Ce n'est pas notre esprit spirituel qui fait le choix, finalement, de la façon dont nous allons vivre. On a beau être super spirituel, le choix de la façon dont nous allons vivre provient de ce que nous pensons, de la volonté que nous avons ou pas, ou de la façon dont nous assimilons ce qui est autour de nous, c'est-à-dire notre intellect. Donc, de quelle manière allons-nous apprendre et renforcer la connaissance que nous avons de la parole de Dieu? Une des façons d'en apprendre plus ou davantage sur la parole de Dieu et sur le Seigneur est à travers de ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et nous verrons que le Saint-Esprit a un rôle important, étant donné que nous verrons plus tard qu'il est, pour ce qui concerne de la spiritualité, notre enseignant. Il peut aussi être notre enseignant concernant notre façon de vivre dans le monde ou ce que nous faisons. Par exemple, si votre intellect vous donne une invention, le Saint-Esprit peut vous guider dans la réalisation de cette invention et comment la réaliser. Donc le Saint-Esprit nous enseigne au niveau spirituel, mais nous enseigne aussi au niveau du monde physique qui est autour de nous. Donc, le deuxième volet que je vais adresser aujourd'hui est: quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Nous devons nous rappeler que Dieu est une forme de trilogie, une trinité, avec Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Ils ont chacun leur rôle, mais le Saint-Esprit a un rôle particulier en ce qui nous concerne la relation avec la Trinité. J'ai essayé de capturer dans une phrase les trois personnes de la Trinité et qui représente un peu pourquoi le Saint-Esprit est ici et ce qu'il fait avec nous. Je vais vous le lire. Le Saint-Esprit a été envoyé par Christ pour être notre enseignant quand il alla s'asseoir à la droite du Père dans les cieux. Donc vous voyez là les trois personnes de la Trinité et le Saint-Esprit est notre enseignant. Donc, nous allons voir si cela est justifié par la Bible, par les Saintes Écritures. Et le premier verset que je vais vous lire est dans le 14e chapitre de l'Évangile de Jean, et c'est le verset 26, qui je lis comme suit. « Mais le Défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Ceci a été écrit avant que Jésus ait souffert sur la croix pour prendre nos péchés et qu'il ait été ressuscité. Mais il indique à ses disciples quel sera le rôle du Saint-Esprit et comment il enverra comment Dieu le Père enverra le Saint-Esprit au nom de Jésus vers nous. Dans le verset que j'ai lu, j'ai utilisé le mot défenseur, parce que la Bible du Semeur donne le mot défenseur.
Dans certains versets bibliques, dans certaines traductions, vous trouverez le mot enseignant, mais généralement, vous trouverez le mot consolateur, très fréquemment. Le consolateur, c'est quoi? C'est pour ceux d'entre vous qui ont été élevés dans l'Église catholique, le mot qui est souvent employé et qui souvent on oublie d'expliquer, utilise dans ce verset le mot paraclet. Okay? Le mot paraclet, grec, signifie tout simplement celui qui est appelé à vos côtés pour vous aider ou pour vous enseigner. Donc vous voyez que le paraclet, finalement, c'est le mot savant pour indiquer que le Saint-Esprit est notre enseignant. Okay. Dans certains passages aussi, l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité, comme dans le verset 13 du chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Je vais vous le lire maintenant. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. » Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Donc, dans ce contexte de ce verset, l'Esprit de vérité correspond est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, selon les traductions de la Bible utilisées. Il nous dit, c'est quelque chose que vous devez noter, que vous serez guidés, c'est-à-dire nous serons guidés, les chrétiens renouvelés, dans toute la vérité, et que les choses à venir nous seront montrées grâce à l'Esprit de vérité, donc grâce à l'Esprit Saint. Ceci peut arriver dans différentes circonstances, peut arriver lors de l'écoute d'un message ou d'une prédication, ça peut arriver directement à vous. Le Saint-Esprit peut vous parler et vous allez apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit quand il vous parle. Donc ce verset ne veut pas dire que forcément le Saint-Esprit va passer par un intermédiaire pour vous parler, un pasteur ou un prédicateur ou un messager, mais le Saint-Esprit peut s'adresser directement à vous. Un autre verset clé pour vraiment bien comprendre le rôle du Saint-Esprit et ce qu'il fait est dans 1 Jean chapitre 2 verset 20. Je répète, 1 Jean 2 verset 20. Vous au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui est saint vous a oint et vous connaissez toute la vérité. Okay. Dans certaines versions, on dit vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. Un petit peu plus loin, dans 1 Jean, dans le même chapitre 2, mais au verset 27, Jean nous dit « Quant à vous, l'Esprit Saint dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. » Ça, c'est une description de la personne qui est née de nouveau. « Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. » Donc là, vous voyez très bien, dans cette partie du verset, le rôle d'enseignant du Saint-Esprit. Je continue à lire le verset. « Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. » Donc c'est très clair que le Saint-Esprit est et peut devenir en toute chose notre enseignant, essentiellement au niveau des choses spirituelles. Pour étayer un peu ce que je vous dirai plus loin, on se rendra compte ici que l'Esprit Saint, et ça c'est très, donc c'est là qu'il va vous aider à identifier si les messages sont vrais ou faux. Il est bien dit
que l'onction qui vous enseigne est la vérité et n'est pas un mensonge. Donc, si vous avez reçu cette onction, vous pouvez savoir et discerner si un message ou une prédication qui vient d'un enseignant ou d'un pasteur ou d'un prophète est vraie ou fausse. Vous avez l'onction en vous qui vous permet de discerner. Donc, n'agissez pas comme des robots croyant tout ce qui vient de l'homme de Dieu parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Ou ils peuvent même avoir un agenda qui est caché. Donc, vous devez toujours être sur vos gardes pour... Donc, à cet égard, écoutez l'esprit de vérité qui est en vous et qui vous permettra de discerner si un enseignement est vrai ou faux. Bon, ceci, c'est vite dit, mais comment est-ce que l'on met en œuvre l'enseignant qui est en nous, notre instructeur qui est le Saint-Esprit? Comment est-ce que nous le mettons en œuvre et quelle est notre relation avec lui? Comment nous lui parlons et comment il nous parle? Une des façons les plus connues dans la Bible est de prier en langue ou le langage en langue. Et je vais vous montrer où ce langage intervient dans la Bible. Certains disent que c'est un langage qui est passé, qui n'existe plus, etc. Je pense qu'ils sont dans l'erreur parce que c'est quelque chose qui est très très bien étayé dans la parole de Dieu. Donc le premier verset que nous allons lire, les premiers versets que je vais vous lire, viennent d'un passage clé. Et le passage clé est le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Rappelez-vous bien, le chapitre 14 de 1 Corinthiens, je vous encourage de le lire et de le relire en détail. Ce chapitre nous parle des différents types de parler en langue, des différents types de langues. Mais dans la suite, je ne vais pas m'attarder sur tous les différents types de langues. Je vais vous parler seulement ou mentionner les versets qui parlent de la prière en langue qui est connue comme le langage de prière. Et pour cela, je vais l'illustrer au moyen de quelques versets. En fait, d'abord de deux versets de 1 Corinthiens 14. Le premier verset que je vais vous lire de 1 Corinthiens 14 et le deuxième verset. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, quand nous parlons en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous et qui s'adresse à Dieu. Et juste pour illustrer cela, juste une anecdote. Par exemple, vous pensez et vous dites « Oh, je vais prier en langue maintenant parce que j'aimerais une nouvelle voiture. J'aimerais une nouvelle voiture de sport. » Et vous priez en langue, pensant que c'est à ce sujet. Et le Saint-Esprit qui prie en langue et qui s'adresse à Dieu pour vous, fait la prière suivante. La prière qu'il fait est que vous stoppiez d'arriver en retard au travail régulièrement. Vous voyez? Parce que c'est plus important pour vous qu'une voiture. Donc, vous voyez un peu
ce sont ce qu'on appelle des mystères. Mais ces paroles mystérieuses ou inconnues, le verset dit, 1 Corinthiens 14, 2, ces paroles mystérieuses, ne sont pas mystérieuses pour Dieu. Elles sont des mystères qui sont liés à notre vie, mais Dieu les comprend, elles ne sont pas mystérieuses pour lui. Mais plus nous le pratiquons, finalement nous savons que ce que nous prions est pour répondre à certaines situations qui apparaissent dans notre vie, et ce sont des prières adressées à Dieu pour notre bien et pour notre futur. Le verset 14 de 1 Corinthiens 14 nous dit « Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. » Il y a quelques minutes auparavant, je vous ai parlé que nous avions notre esprit, l'esprit de notre homme né de nouveau, mais que nous avions aussi notre partie humaine, non spirituelle, qui comprend notre âme, qui est généralement notre intelligence, notre volonté, etc. Et là, on voit bien que quand nous prions en langue, notre intelligence n'intervient pas. Pourquoi elle n'intervient pas? Ben, c'est bien simple, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Étant donné que nous prions des mystères et que c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous et fait des prières vers Dieu. Donc notre intelligence n'intervient pas. Pour encore étayer ceci, je vais vous lire deux versets du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, les versets 26 à 28. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexplicable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce que croit tant l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ici, je voudrais vous mettre en garde pour une chose, qui est de ne pas prendre un verset en dehors de son contexte. Beaucoup de gens prennent la dernière partie du verset hors du contexte pour justifier les calamités qui leur arrivent. Par exemple, ils disent « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Et ils disent « Bon, mon voisin a eu un accident de voiture, ah ben, ça va concourir, ça fait partie du plan divin et puis ça devait lui arriver, c'est pour son bien. » Ceci est prendre une partie du verset complètement en dehors du contexte. Le contexte réfère à la prière en langue et réfère à l'esprit qui vient nous aider parce que notre corps humain, incluant notre pensée, est faible, comme il est dit, et le Saint-Esprit intercède pour nous, pour Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin et le Saint-Esprit fait une prière vers Dieu pour ce dont nous avons besoin. Et donc, il faut, en prenant ce verset dans son ensemble et pas en coupant une partie hors du contexte, nous pouvons voir vraiment qu'il s'adresse à des gens nés de nouveau et auxquels le Seigneur révèle son plan par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, tous ces versets que nous avons vus
parle de comment prier en langue avec le Saint-Esprit qui fait intercession pour nous. Et comme cette prière vient du Saint-Esprit, donc vient d'un des trois membres de la Trinité, c'est une prière parfaite que nous pouvons prier pour nous ou pour les autres. Et ces prières parfaites, en fait, sont toujours exaucées. On ne va pas dire qu'elles vont être exaucées dans la seconde qui arrive, mais elles sont toujours exaucées. Si vous désirez avoir plus d'informations au sujet de la prière en langue, je vous suggère de lire le livre de Dave Robertson, qui est intitulé en anglais « The Walk of the Spirit, The Walk of Power ». Il est disponible en plusieurs langues sur Ictusnet Live et la version française est en cours. La moitié du livre a déjà été traduite, mais il existe et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement en français. Vous pouvez le télécharger gratuitement en anglais, en espagnol, en portugais, en russe, en polonais, en chinois simplifié et en chinois non simplifié. Donc ceci nous amène au point suivant, qui est la validité de la Bible et l'importance d'étudier la Bible. Parce que, même si nous prions en langue, nous avons des révélations du Saint-Esprit, etc., ces révélations doivent toujours être en concordance avec ce que la Bible dit. Donc, les messages que vous entendez des prédicateurs doivent toujours être en concordance avec ce que la Bible dit. Et c'est pas à 99%. Ils doivent être en concordance avec ce que la Bible dit à 100%. Pour étayer ceci, je vais vous lire quelques versets dont la plupart viennent de Timothée. Donc, le temps que je me désaltère, vous avez eu le temps de trouver 2 Timothée dans votre Bible. 2 Timothée est un livre qui mérite d'être lu. Et je vous encourage de le lire. Le livre complet de Timothée. Timothée est un pasteur du temps du début du Nouveau Testament, de l'Église primitive, qui était confronté à la persécution et qui a été capable de marcher dans sa vie, libre de tromperie et de marcher vers la victoire. Et de façon à accomplir ceci, il nous dit ce qu'il a fait ou ce qui doit être fait, et puis nous pouvons donc le prendre comme un exemple. Dans le 15e le verset 15 du deuxième chapitre de Timothée nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il commet, il transmet correctement la parole de vérité. » Si nous lisons ceci, c'est très clair. Tout homme de Dieu qui est un prédicateur ou un pasteur ou quelconque ouvrier de la parole de Dieu doit transmettre correctement la parole de vérité, doit transmettre correctement ce que la parole de Dieu nous dit, de façon à ne pas avoir à rougir de son ouvrage parce que il aura dit des mensonges ou aura arrangé ses propres vérités parce qu'il a un plan personnel qui n'est pas le plan de Dieu.
Donc, ceci nous encourage à discerner la vérité nous-mêmes. Les versets 16 à 18 que je vous encourage de lire, mais je vous donne un exemple de fausse doctrine et révèle ce que les fausses doctrines produisent. Et ces versets identifient aussi les enseignants de ces fausses doctrines. Donc, je vous encourage d'en faire la lecture. Je vous les lis pas là maintenant parce que j'aimerais pouvoir aller plus loin dans le temps que j'ai. Et je pense qu'il est bon pour vous que vous vous plongiez vous-même dans la Bible, que vous ne preniez pas seulement tout ce que je vous dis, mais que vous regardiez vous-même où sont ces versets et ce qu'ils disent. Donc, de nouveau, 2 Timothée chapitre 2, les versets 16 à 18 sont des versets importants qui illustrent ce que je vous dis. Au chapitre 3 de 2 Timothée, au verset 15 et 16, nous pouvons lire « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Donc, ce que l'on peut lire dans ce verset, c'est l'importance de lire la parole de Dieu, de la connaître, et combien ceci est précieux pour nous. C'est précieux pourquoi? Parce que nous pouvons, au moyen de la parole de Dieu et de la vérité qu'elle dit, identifier les faux enseignants, identifier les faux messages, et grâce à cette parole qui est la parole de vérité. Et je vous montrerai plus loin de quelle manière ces faux messages, ces fausses attitudes, etc., pénètrent dans nos églises et dans les ministères et comment nous devons les éviter. Mais c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de vérifier ce que nous écoutons et de voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Même vous allez me dire, c'est le diable qui agit, le diable est là, il me raconte des mensonges, des tromperies, je ne m'en rends pas compte, c'est le diable qui m'empêche de lire la Bible, donc je ne peux pas me voir ce qui se passe, je ne peux pas me renseigner, vérifier si ce que dit un pasteur est vrai, et je lui donne le bénéfice du doute, etc. Si vous lisez la Bible en détail, vous verrez que nous avons autorité sur le diable et les puissances démoniaques. Et cette autorité nous est donnée à nous tous qui sommes nés de nouveau. Je ne vous demande pas de me croire sans avoir fait une référence à la Bible. Donc je vais vous lire ce qui est dans la Bible. Dans le quatrième chapitre de Jacques, les versets 6 et 7 nous disent « Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. » Okay? Ça sert à rien de demander à Dieu d'enlever le diable de vous ou de repousser le diable pour vous. C'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Qui doit résister? Vous, moi,
Dieu doit rester au diable, et il fuira loin de vous. Donc, si nous nous humilions, okay, nous nous soumettons à Dieu, le diable fuira loin de nous. Donc, nous avons cette autorité. Et il fuira loin de nous. Il y a d'autres versets qui parlent de ceci. Et je vais vous lire dans l'évangile de Marc, au 16e chapitre, les versets 16 à 18. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est la personne née de nouveau. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ouais, la Bible est claire, si on veut aller au ciel à la fin de nos jours, nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Okay? Voilà les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est Jésus qui parle ici. Ils chasseront les démons et parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des scorpions venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc ce verset a été utilisé à tort et à travers par un grand nombre de personnes. Il y a même des églises aux États-Unis qui se sont fondées sur ce verset, et ils prennent en dehors du contexte la partie qui dit « ils saisiront des serpents venimeux, etc., etc., ils ne leur causeront aucun mal ». Donc, dans ces églises, ils ont des serpents venimeux qu'ils vénèrent, qu'ils prétendent être chrétiens, mais ce sont des charlatans. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais il y en a ici un certain nombre aux États-Unis. C'est un verset pris en dehors du contexte et c'est complètement ridicule. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre un serpent venimeux par plaisir et parce que vous trouvez ça amusant. Ce que le verset nous dit, si par hasard vous en prenez un, vous priez et il ne vous causera aucun mal. Mais le serpent venimeux ici fait référence au diable. Le poison fait référence à ce que le diable peut vous transmettre à travers de prédicateurs ou de pasteurs qui ont des enseignements erronés. Donc vous voyez que nous avons autorité sur ce qu'il prêche, qui est donc le poison que le diable transfère et communique à travers eux. Donc ce verset illustre ce qu'un croyant qui arrive, quand un croyant croit, ils chasseront les démons, qui est une chose, ils parleront aussi en d'autres langues. On fait ici référence au langage de prière dans l'esprit ou du prier en langue. Ok. Donc, nous allons voir ici au verset 12 à 14 du 14e chapitre de l'évangile de Jean. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même des choses que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Encore ici, nous allons voir que un morceau de verset ou un verset, le verset 13, qui est pris très souvent en dehors du contexte. Si on le lit dans le contexte est que si nous demandons à Dieu quelque chose qui est conforme à sa parole, il l'exaucera. Si nous demandons quelque chose qui n'est pas en conformément à sa parole, il ne l'exaucera pas. Par exemple, si vous demandez à Dieu, « Dieu, j'aimerais avoir une promotion dans mon travail, mais pour cela, fais
que mon superviseur, que mon chef de service soit licencié. Ça, c'est pas une prière qui sera exaucée, elle n'est pas conformément à la Bible. Okay. Donc, dans ce verset que je viens de dire, c'est Jésus même qui parle. C'est donc les versets qui, dans certaines Bibles, sont écrits en rouge. Et vous suggère fortement d'étudier la vie de Jésus comme vous pouvez la voir dans les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Portez une chose, une attention particulière à ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que nous avons la même capacité de le faire, si dans le verset que je viens de lire, et nous pouvons faire même mieux, même les mêmes choses. Nous devons croire, et notre esprit doit être renouvelé pour cela. Ok, nous avançons bien là. Maintenant, je vais vous dire ou lire ce que la Bible dit à propos des fausses doctrines et des faux enseignants. Ceci, je vous lis ceci pour préparer le prochain message que je vais vous lire, que je vais faire dans 2 semaines, je pense. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des fausses doctrines et des faux enseignants? Donc là, il y a un grand nombre de versets à lire. Je vais commencer par le 13e chapitre de l'Évangile de Marc, au chapitre 22, qui nous dit « De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. » Ça, c'est un verset important qui nous demande de toujours rester sur nos gardes. Même si nous avons notre esprit a été renouvelé, etc., nous devons prier en langue pour être alerte et Dieu nous révélera si ces faux Christ viennent au milieu de nous. 2e chapitre de 2 Pierre, versets 1 à 3. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il en sera de même parmi nous, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Faites bien attention aux mots ici, subtilement. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Bon, ben ça peut pas être plus clair là. Relisez ce verset, il est clair. Il vous dit de la façon dont ça se manifeste. Dans 1 Jean 4, chapitre 4, verset 1, nous pouvons lire, mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir qu'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Il y en a plein aujourd'hui. Il y en avait dans l'Ancien Testament, il y en a plein aujourd'hui, et je vous mets en garde contre eux, et je vous ai donné les moyens de les discerner à travers de votre enseignant qui est le Saint-Esprit. C'est un 7e chapitre de l'Évangile de Matthieu au chapitre 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais. Si vous êtes sur vos gardes, continuons dans le verset. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des boissons, sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, si vous regardez les fruits des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, etc., regardez aux fruits qu'ils produisent. Okay? Un des fruits essentiels que vous pouvez regarder, est-ce que le fruit est leur enrichissement personnel ou est-ce que le fruit est de vous amener à une vie plus près de la parole de Dieu? Quelque chose à considérer. Si nous voulons identifier et nous méfier des faux prophètes et des faux enseignants, nous devons examiner selon les Écritures ce qu'ils enseignent. Donc nous devons bien connaître les Écritures. Nous devons connaître sa parole et l'utiliser sans crainte ni honte pour identifier les faux enseignants et les faux prophètes. Au verset 10 de l'Évangile de Jean, chapitre 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. » Donc, souvent, dans ce verset, quand il est mentionné, il fait très souvent référence au diable. Ceci est vrai dans la réalité parce que c'est la nature du diable d'être un voleur. Cependant, dans le contexte de ce verset, les voleurs sont ce que j'appellerais ou je qualifierais de mercenaires. Donc, par mercenaires, je veux dire des faux enseignants. Et si vous lisez les versets 1 à 8 du 10e chapitre de l'Évangile de Jean, vous pourrez voir la comparaison entre les faux enseignants et dans la façon ils traitent les gens et Jésus, le bon berger. Un dernier verset concernant ce sujet est dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse, les versets 18 à 29, que je vous laisse lire vous-même là parce que le temps passe et ça fait presque une heure que j'ai commencé à parler, donc j'aimerais que vous fassiez vous-même l'effort d'aller chercher dans l'Apocalypse au chapitre 2, les versets 18 à 29. Les versets 18 à 29 du chapitre 2 de l'Apocalypse nous parlent de l'église de Thyatire et ce qui s'est passé quand cette église a toléré Jézabel au milieu d'elle. L'esprit de Jézabel, comme vous pourriez le lire dans ces versets 18 à 29, se manifeste principalement quand des fausses doctrines sont enseignées dans les églises ou lors de prédications. Si vous avez une église et que, quel que soit ou peu importe ce que cette église ou ce ministère fait de bien, si l'esprit de Jézabel est entré par la porte dans cette église, à court ou à long terme, cet esprit de Jézabel fera des ravages et détruira cette église. Donc, ce n'est pas en regardant le bon que une église ou un ministère fait que l'on peut juger et avoir confiance en cette église ou en ce ministère. C'est en regardant la valeur et la qualité du message par rapport aux Écritures, la vérité du message par rapport aux Écritures. Parce que juste pour vous donner un exemple, si l'esprit de Jézabel entre doucement dans l'église, il fera des ravages. Je vais juste vous donner une analogie. Si une personne malveillante tuer son chien, par exemple, chose à pas faire, mais c'est juste une illustration, donc ne m'envoyez pas des lettres à ce sujet. Si une personne malveillante veut tuer son chien,
cette personne ne va pas prendre une cuillère à café et lui ou mettre dans le plat du chien de la strychnine. Non. Ce que la personne va faire, c'est de mettre dans un hamburger ou de la viande du chien de la strychnine, mais en quantité suffisamment faible pour que le chien ne la détecte pas. Donc, c'est la même chose que c'est comme similaire à l'esprit de Isabelle qui vient fortuitement et qui s'implantera petit à petit, à petite dose, et vous ne le verrez même pas, et vous serez complètement inoculé, et vous ne serez pas capable de le discerner, et c'est comme un poison. Donc, ceci est la fin de la première partie du message qui est comment choisir une bonne église et un bon ministère. Je ne vous ai pas dit au début que c'était en deux parties, c'était bien volontaire, parce que je ne voulais pas que vous décidiez de ne pas l'écouter pour seulement vous concentrer sur la deuxième partie où j'adresserai les points suivants. Quelles sont les déceptions typiques qui proviennent de la chair? Donc, chair, S-H-A-I-R-E, qui proviennent de la chair, qui provient des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs, des bergers, etc. Alors, des déceptions typiques que ces personnes auxquelles on fait trop souvent confiance, de quelle manière ils nous apportent ces déceptions au compte-goutte. Un autre exemple que je voulais vous donner, le travail du diable est similaire à une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. Laissez-moi vous expliquer. Si vous avez un rocher, une pierre, une grosse pierre, et l'eau tombe goutte à goutte, cette eau, goutte à goutte, lentement, très lentement, va creuser la pierre. Et on s'en aperçoit pas. Et finalement, des années plus tard, le rocher ou la roche est percée. Le diable a effectué son œuvre. Donc si le rocher, par exemple, est votre église, etc., eh bien, la fausse doctrine est entrée dans cette église. Comme ces gouttes d'eau, elle a pénétré lentement, lentement. Vous en apercevez quand c'est trop tard, parce que vous avez absorbé tout ce poison. Ok. Le deuxième volet que duquel je parlerai lors de la deuxième partie, c'est quitter une mauvaise église ou un mauvais ministère. De quelle manière vous pouvez le faire, et ce qui vous arrivera quand vous le faites. Donc, j'ose espérer que vous avez apprécié cette émission. Si vous avez des questions sur ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, sur ce que j'ai partagé aujourd'hui, allez, s'il vous plaît, à la page contact d'Ictusnet Live, du site web d'Ictusnet Live, et soumettez-nous, s'il vous plaît, vos questions et vos commentaires. Et il nous fera un grand plaisir d'y répondre en français. Une autre chose, si vous n'êtes pas au courant, la version française du site web a été lancée il y a plusieurs semaines. Et si vous trouvez sur la version anglaise, il vous suffit de cliquer français au haut de la page et vous pouvez aller d'une page en français à une page en anglais, vice-versa, juste en cliquant ce qui est au haut de la page, pour les pages qui existent en deux versions. Donc, je vais vous demander de partager l'amour que vous avez de Dieu qui est en vous, avec les gens que vous connaissez, qui sont autour de vous, et priez pour eux. Donc, les notes détaillées du message d'aujourd'hui, incluant les versets, seront incluses en format PDF avec la vidéo d'aujourd'hui, une fois que la version finale sera téléchargée dans la médiathèque
l'ictusnet live. Quand je dis la version finale, on ne coupe et n'ajoute rien au message dans la version finale, si ce n'est un titre et à la fin informant les informations sur le site web. Mon épouse Pam va maintenant venir et prier pour vous en anglais et je traduirai en français. Donc je vais lui... Ah, mais la voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, très très... Ah, moi ça va très très bien. J'aimerais que tu fasses une prière en anglais pour les gens qui nous regardent. D'accord. D'accord. Je vais te laisser mon siège parce que tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. You don't have to kneel for. I will translate from a distance. You know, you see me. It's me translating. Oh, bonjour, everyone. Bonjour tout le monde. Lord, we just thank you right now for the opportunity to pray for these people. Ah, Seigneur, nous te remercions pour avoir eu l'opportunité et la chance de pouvoir prier pour toutes les personnes qui nous regardent ou vont nous regarder. Lord, we just thank you right now that they are learning who they are in Christ. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'ils vont savoir de plus en plus tous les jours qui ils sont en Christ. And because they know who they are in Christ, they are be well prepared to recognize false doctrine. Et parce que ils sont en Christ, ils vont être de plus en plus préparés pour reconnaître quelles sont ces fausses doctrines qui s'insinuent dans l'Église. Lord, we just thank you right now for each person watching. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui regardent. And that they're learning more about their Father. Et nous te remercions parce qu'ils connaissent de plus en plus concernant Dieu, leur Père. Lord, we just pronounce blessings on everyone who's listening and watching today. Seigneur, nous prononçons des bénédictions sur tous les gens qui nous regardent aujourd'hui. And we pray that everyone will be safe until we see them again in 2 weeks. Et nous prions que tout le monde soit dans la sécurité, etc., ne soit pas attaqué par le diable, jusqu'à ce que nous vous voyons à nouveau. Je pense que ça va être dans 15 jours. Amen. Amen. And we'll see you in 2 weeks. Nous allons vous voir dans 2 semaines. Au revoir.